Madame Revaud-Dallon. Merci, Madame Revaud-Dallon. Merci, Président. Tout d'abord, merci pour les présentations qui ont été faites ce matin. Et très rapidement, sur le processus de réinstallation mis en place par la Commission, c'est une excellente chose. Simplement, on se rend compte, et vous l'avez bien vu, et tout le monde le souligne, que le fait de le quantifier à 20 000 est bien en deçà de la réalité et de la réalité toujours croissante. Après, sur la question des quotas, je pense que c'était une provocation que vous avez faite, Monsieur Tillemans, quand vous avez parlé d'échange de quotas de réfugiés d'un État membre à un autre. C'était une provocation, puisqu'on parle bien d'êtres humains et on parlait de quotas. Ça s'applique pour moi à des quotas laitiers, des quotas d'émissions, mais certainement pas à des êtres humains. Et comme vous l'indiquiez, les critères objectifs tels que les questions de rapprochement familiaux doivent être beaucoup plus pris en compte. Alors, la proposition de la Commission indique que le HCR sera responsable pour évaluer les candidats à la réinstallation dans les régions prioritaires et soumettra ses propositions de réinstallation aux États membres. Sur quelle base le HCR, selon vous, devrait effectuer ces évaluations? J'ai également une remarque, ça a été dit par les uns et les autres avant moi, sur le fait que il faut voir toutes les voies d'accès à la migration et que la question du traitement des réfugiés, des demandeurs d'asile est une voie, mais ce n'est pas une voie suffisante. Il va falloir aussi avancer sur les visas humanitaires. Il faudra aussi, et je regrette que M. Brice n'ait pas pu être là, mais voir ce que font les pays directement dans les pays tiers pour l'accueil des réfugiés sur place, que ce soit en Égypte ou que ce soit en Turquie. Et je m'arrête là pour ne pas dépasser mon temps, mais il faut faire l'approche globale d'immigration, comme cela a été dit par Mme Sipel avant moi.